L'heure du souper a été tout sauf tranquille lundi soir à l'angle des rues Cabana et Robinson à Granby. Un véhicule utilitaire sport s'est retrouvé sur le toit après une collision survenue à l'intersection. Un Saturn de marque Vue Noire se dirigeait en direction nord sur Robinson lorsqu'il aurait omis de faire son arrêt obligatoire à l'intersection, tandis qu'un Buick Rendez-vous qui circulait sur Robinson effectuait un virage à gauche sur Cabana. La collision n'a pu être évitée. Le Buick s'est fait frapper sur le côté passager. Il a ensuite fait un tonneau et a fini sur le toit. Le conducteur au volant du rendez-vous a réussi à se dégager et à sortir ses deux enfants de la voiture, tandis qu'une passagère d'âge adulte est demeurée incarcérée. Les secouristes ont mis plus d'une demi-heure avant de la sortir de sa fâcheuse position, sous le regard d'une trentaine de badauds. L'homme, la femme et les deux jeunes enfants qui prenaient place dans le Buick ont été transportés au CHG par mesure préventive et pour y traiter des blessures mineures. La conductrice du Saturn, une jeune femme dans la vingtaine, a aussi été conduite à l'hôpital.